bonsoir. Son antenne Radio Télé-Solidarité. Je dis à que nous gagnons avec nous un gros poto-rique et garçon. Bon, nous ne sommes pas même capables de dire dans la communauté haïtienne, New York, dans la diaspora, nous capables de dire c'est un vrai garçon que réellement qui a fait un paquet de travail et que non seulement dans l'éducation, que je ne dis pas que nous capables de dire c'est un défenseur langue créole. Bon, pas dans la cour New York, dans la cour États-Unis. Ouais, bon. Parce que réellement que bon, que l'équipe ça, que M. Laden a fait un gros remblé sur langue créole là, que dans le mois d'octobre là. Et ce n'est pas le premier remblé que vous faites, que vous faites pas mal de remblés déjà. Qui fait que frère et M. ministre de Joie, qui n'a pas dit bonjour. Et sur antenne Radio Télé-Solidarité. Mabdou, bonjour tout, et c'est un plaisir pour moi, pour nous chita parler aujourd'hui, pour nous faire embrasser l'idée, ouais, sur créole, sur pays nous. Merci en pile, et Mab salue tout le monde qui a regardé l'émission en un moment ça. Oui, qui fait que réellement que nous sommes contents, que, parce que nous rappelons que nous avons plus qu'un an pour te venir dans le studio. C'est vrai, dans le même occasion, oui. Dans le même occasion, oui. C'est ça, c'est ça. Et mais nous avons dit que M. ministre de Joie, bien frère ministre de Joie, son équipe très engagée, son équipe qui aime Kiltil en pile, c'est un équipe qui aime le pays d'Haïti en pile. Tout. Et que bon, malgré lui à la retraite aujourd'hui, nous croyons que lui plus actif dans la fait culture dans tout le bagage pays d'Haïti. Qui fait que, monsieur, vous sont capable de nous vraiment, est-ce que ça, vous capable de nous de vous-même? Et bon, je suis haïtien, ouais, je suis en Haïti, je viens ici. Ta, m'a venu ici de Timoun, m'a venu ici dans vingtaine mois, ouais. Et moi travaille ici comme éducateur, moi j'étais professeur d'école. Et après ça, m'a fait une maîtrise avec un certificat avancé en psychologie. Donc, moi fait reste carrière comme psychologue jusqu'à ce que je prenne pension en 2014, ouais. Et, mais depuis ma entrée ici, j'étais toujours dans le mouvement culturel, ouais. Moi j'étais toujours à suivre ce qui a passé dans la politique en Haïti. Et moi j'ai toujours participé dans différentes activités dans la communauté. Et moi j'étais dans le mouvement écrit pièce théâtre. Tout. Ouais, c'est ça que fait en 1984. Nous présentons pièce théâtre qui était les Zobouquet. Ouais, et Zobouquet, c'est ça. Et puis c'est un groupe qui était les Chorama. Ouais, qui était différents acteurs là dans Max, Max Eugène, ouais, Albert Soumerville, et moi-même Ménès de Joie. Et nous avons monté pièce qui était les Zobouquet. Et après, je vais aller avec une deuxième pièce qui est le Ma Suifé. Ouais, et Zobouquet était sous situation de travail aux États-Unis. Ouais, et Ma Suifé lui-même, il est sous situation haïtien qui a quitté le pays pour aller couper le camp en Dominicaine. Ouais, et donc, et depuis mon pension, moi, toujours engagé moi, dans soit faire des recherches pour la CAIPA, ouais, et travailler sur certains projets. Et tout et continuer by collaboration moi dans différents et activités qu'a fait dans la communauté et spécialement dans le domaine culturel, ouais. Et donc c'est moi-même ça, ouais. Bon, et qu'est-ce que tu vas dire nous qui genre avec culture marché dans la communauté? Ah, l'ap marché avec difficulté, li cambia, ouais. Et l'ap marché boité, ouais, l'ap marché boité. Et alors, sans question de comparaison, je m'a pensé à l'année 80, Jean, mouvement était chauffé, ouais, et qui était dans la question de théâtre, qui était dans la question de musique, ouais, et qui était dans la question de rassemblement culturel ou bien intellectuel pour nous parler, pour nous chita parler, pour nous brasser l'idée, ouais, qui était dans la question de rassemblement politique et pour nous débattre ce qui a passé dans le pays. Ouais, et maintenant journée aujourd'hui et me penser et bah un petit genre ralenti certainement, c'est vrai grand pile monde qui a fait effort pour bah booster, ouais, pour bah booster, ouais, et me saluer et me mettre chapeau moi devant un pile jeune dans journée aujourd'hui et qui a fait effort, ouais, pour y reprendre mouvement, pour y essayer à pousser pour plus devant. Et, mais il est difficile, il est compliqué parce que les gens qui étaient actifs dans les années 80, l'argent est sous eux, ils ne viennent pas actifs même encore. Donc la relève là lui-même, et je pense que c'est là
et peut-être nous devons faire plus d'efforts pour nous travailler avec un relève, monde qui est capable de prendre la relève, nous-mêmes, nous commençons à faiblir sur le terrain. Ouais. Et bon, il y a certains événements politiques tout, et qui la cause, nous devons censé démobiliser, ouais, et nous pas niveau engagement qui était gagné. Et niveau engagement collectif et niveau engagement individuel qui était gagné dans les années 80, années 70, vous n'êtes pas venu encore. Nous pas venu encore. Mais quelle relation gagne avec Haïti? Ah, une relation tous les jours. Ouais, tous les jours. Et pas perdu l'habitude que me gagne l'homme qu'on a travaillé. Ouais, ça veut dire toujours lever à 5h du matin. Et toujours lever à 5h du matin et premier mouvement fait l'aime lever matin, c'est descendre aller dans le computer et puis me capter mon radio en Haïti pour m'entendre nouvelle pays moins me capter journal en Haïti pour m'entendre et pour me garder ouais et ça cap dit dans journal yo ouais et ça continue pendant toute la journée pendant m'a fait certains autres travail donc et m'aller Haïti tout régulièrement une fois au moins par année ou aller une fois par année c'est ça et me croire que l'on aller nous aller avec un bout oui pendant après tremblement de terre c'est vrai nous t'ai prend et une initiative ouais et on nous t'ai fondé marche côté nous t'ai réuni dans différents éducateurs dans ville New York là côté nous t'al bail on support au niveau psychologique émotionnel et au niveau pédagogique tout et parce que mon yo te prend mon yo te frappé au fort entre même de te frappé toute société a et te frappé éducateur au fort tout donc et nous fait les organes nous fait païen nous fait Folie Liberté deux fois ouais nous fait Port-au-Prince plusieurs fois ouais donc penser c'est et mon yo te apprécier ça dans pays a et nous même tout c'était un échange pour nous entre mon en Haïti parce que nous recevons en pile dans petit monde ça qui a sorti dans système éducation en Haïti a ouais et donc travail et aller en Haïti a te permettre nous font brasser l'idée avec yo enrichi ouais connaissance nous gagner sous système éducation en Haïti parce que nous quitté système dans longtemps ouais donc oui, bon, c'est ton expérience. Bon, oui, parce que mon association éducateur a toujours. Oui, toujours. Mais qui est-ce qui a marché pour vous? Et, ou soit j'aime ta parole de question de mobilisation, et il y a ralenti ces jours-ci, mais HELP, Haitian Educators League for Progress, il a toujours existé. Et c'est Sabine Albert qui est à la tête de l'organisation dans la journée. Oui, parce que Sabine est venue là pour talk show. Ah, ok, c'est ça. Et que si je ne suis pas menti, je suis venu en contact avec Sabine. Oui, c'est vrai. Bon, on connaît Sabine pas pour autant. Oui. Bon, on connaît que nous sommes en tout sur l'affaire langue créole dans le mois d'octobre dans Brooklyn College. Est-ce que tu as un petit résumé pour nous de Womble ça? Qui est-ce qui pas assez? Parce que réellement, je connais que l'initiative, ça fait plusieurs années depuis que nous prenons l'initiative. Ah, plusieurs années. Et il faut que je dise, depuis les années 80, les équipes créolistes, je dois dire natif natal, ça veut dire les gens qui grandissent, qui lèvent dans le créole là, qui lèvent à créole comme langue natif natal, yo te décidé un yo pa ka quitter mouvement ça nan men moun ki pa créoliste men ki a fait des faits nan mouvement ki sel chef nan mouvement yo te décidé et mettre ensemble pour créer une organisation et yo te décidé créer ensemble pour mettre une organisation et te créer l'organisation ça Banzil Créole ouais et c'est dans l'année 81 et coulié dans l'année 83 yo pral décidé choisir un jour pour célébrer et pour mettre juste ça à côté pour être capable et célébrer ouais langue créole avec kilti créole ouais et yo te choisi 28 octobre là depuis là ça et haïtien qui dans communauté New York là t'es toujours fait effort ouais pour yo et les jours ça arrivé pour yo font activité et non tant c'était en babesment nous t'es qu'on fait là car au monde ouais et au fur et à mesure n'a prend la rue nous river faire dans Brooklyn College le habitat t'es dans Brooklyn College nous fait là avec habitat ouais les docteur Carol Joseph et Carol Béot Joseph t'es dans Bronx Community College nous fait l'autre bois ouais coulier nous gagne j'ai dit dans dans Brooklyn College, nous continuons, grâce à la coopération, monsieur, et à concours, monsieur, nous continuons à faire dans Brooklyn College. Ouais, et l'homme, monsieur, entré ici, nous avons fait dans Brooklyn College, et monsieur collaborer avec nous, et ça permet nous toujours gagner dans Brooklyn College à chaque année.
Année ça, c'est pas des autobus. Oui, c'est pas des autobus, c'est pas des têtes chargées tout, parce que nous voulons chercher monde différents côtés. Nous voulons chercher monde en Haïti. Ouais, les maîtres et filles sont monde qui vivent en Haïti. Ouais, nous voulons chercher Pesmat. Ouais, oui, oui. Ça c'est en bibliothèque. Oui, en bibliothèque, en bibliothèque. Pour dire mieux avec les bichets, tout le bagage. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et son communauté, ils connaissent bien tout, parce qu'on connaît depuis l'air, ils ont été exilés. Équipe séminaire du Valais d'exilé, oui, c'est ça, t'es exilé ici, c'est dans la communauté Alité Vive, ouais. Oui, oui. Donc c'est après 86, il tourne en Haïti, donc il connaît la communauté ça bientôt. Ouais, nous te voulons chercher docteur Jean-Fizemé, qui est lui-même dans le Canada, ouais, qui est même dans le Canada, et plus nous te gagné des graphes qui sont sortis en Haïti dans Boston. Bon, et puis nous te gagné toute équipe solide, bon, ici, là, ouais, toute équipe solide, Jean-Rousseau, Jean-Baptiste. Ouais, qui sont linguistes, ouais, et Hugues Saint-Fort, qui sont l'autre linguiste encore, et Nicole Rosefort, qui c'est un monde, mon éducateur, qui vraiment une carrière extraordinaire dans le système, là, ouais, et qui a fait concours dans la communauté à tout pendant longtemps, ouais, qui c'est dans Hope, qui c'est dans l'autre HCC, ou bien l'autre rassemblement haïtien. Donc, c'est une équipe solide qui t'a gardé deux thèmes. C'était deux thèmes, nous avons gagné ça. Nous avons gagné deux thèmes. Un thème, et c'est pour nous honorer. Et un voyant garçon, on t'a parlé de poteau et garçon, mais un poteau et garçon, ouais. Et Yves Desjean, ouais, et qui allait quitter nous, Anessa, malheureusement. Ben, mais nous connaissons, c'est passé, n'a pas passé, c'est ouais, aller ouais, nous ouais. Préaller, ouais. Oui, et, là, nous font mes poulies dans Sacré-Cœur. Dans Sacré-Cœur, c'est ça. Qui t'est venu, c'est venu chanter. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le premier thème conférence, c'est un hommage pour Yves Desjean. Ouais, t'es gagné un peu de monde qui t'a pas témoignage. Ouais, les maîtres et filles qui t'ont travaillé avec monsieur en Haïti. Ouais, viennent pas témoignage. Qui t'est non seulement élève monsieur d'abord, qui t'est élève monsieur, hein, ensuite qui viennent travailler avec monsieur. Ouais, et t'es pas témoignage. Dit, bon, Pesmat même, oublié ça. Oui, ouais, t'es pas témoignage. Dit tout, Nicole Rosefort, t'es venu pas témoignage. Et des graphes, dit, c'est petit Yves Desjean lié. Ouais, donc, et monsieur, t'es une présentation, une belle présentation, ouais, et sur Yves Desjean. Hugues Saint-Fort a fait une belle présentation sur Yves Desjean, Nicole Rosefort, ouais, et tout le monde a participé dans ou été chapeau pour saluer qu'aucun jeune garçon ça qui allait quitter nous et ça, et qui portait un gros concours dans le mouvement créole là, ouais, dans le mouvement créole là, ouais, et par rapport à ça, il fait. Ouais, par rapport à ça, l'écrit, par rapport à ça, l'y fait. Ouais, quitte c'est bon ici comme professeur, quitte c'est en Haïti comme professeur dans la faculté linguistique appliquée, quitte c'est dans structure l'État, ouais, malgré les difficultés qui gagnent et qui compte gagner, on connaît qui j'en l'État a fonctionné pour arriver à l'État et faire ça, le grand ambition fait, mais dit pourtant un gros concours, quitte c'est dans l'école, l'arrivée mettre sous pied dans Tigouave, ouais, ouais. Et sans toi, Tiflet, ouais. Et donc, nous pensons que c'était nécessaire ouais, pour nous te mettre chapeau nous et saluer monsieur qui quittait nous à ça. Deuxième thème dans Koulia, son deuxième thème qui était intéressant, son thème qui était intéressant, côté nous avons gardé et langue et culture avec religion, trois chemins contrés en Haïti. Ouais. Et là encore, nous avons Jean-Fizemé, qui sont pasteurs, ouais, une question de religion a tombé et d'aplomb, ouais, et nous avons gagné les maîtres et filles, qui sont pasteurs tout, ouais, nous avons gagné Belgrade, qui était là avec nous tout, et nous avons gagné Pesmatou, qui fait un coup de pied dans deux, trois coups de pied dans le sujet ça, ouais, donc, et c'est on, vous connaissez, doit pas les religions, ouais, dans le mitan haïtien, son ouais. Bagage qui était chauffé, ouais. Mais il était chauffé, mais l'idée, faut en parler, oui, faut en parler, c'est ça qui est important, et c'est une très belle conférence, ouais, qui était trois jours. Et vendredi, samedi, dimanche, parce que dans dimanche, nous allons continuer dans une collaboration avec Haiti Cultural Exchange. Nous connaissons au courant ouais. Qualité de travail, bel travail que Régine Roumain, à toute équipe qui a fait dans la communauté. Hein. Nous avons traversé dans 5 miles avec Haiti Cultural Exchange. Et Marie Fouché était pour présentation pour vous? Marie Fouché, non, il n'a pas fait présentation à Nessa. Il n'a pas fait présentation à Nessa. C'est Myriam Augustin qui a fait une présentation dans samedi matin pour le professeur. Mais Marie Fouché était là tout. Et il t'a parlé de certains travaux qu'il t'a fait. Marie Fauché, son éducatrice, ouais. Et son monde qui est engagé tout dans différents niveaux dans la communauté. Très engagé.
Mais c'est ton mon belle conférence, c'est ton belle conférence. Bon. Et il y a beaucoup de monde qui est dans vendredi, qui est dans samedi, qui est dans dimanche. Qui te répond. Oui, qui est venu. Bon, pour nous, on a travaillé sur aucune chaîne projet tout. Pour nous, on a une bibliothèque digitale sur l'affaire créole là. Qui est capable de dire nous de projet ça? Bon, projet ça, c'est projet une équipe éducateur, linguiste, ouais. Et monde qui est intéressé dans le créole, monde qui est intéressé dans le développement en créole, monde qui est intéressé pour le créole là, prend en place l'immérité dans toute membre société. Ouais. Et qui réunit ensemble, qui pensait les nécessaires pour nous faire un travail comme ça. Et c'est l'idée à se créer, si j'en dis, une bibliothèque digitale, ou bien une bibliothèque numérique, si n'a pas employé le mot français. Et alors nous dit bibliothèque, mais ce n'est pas vraiment une bibliothèque. On est dans 2018 qu'on y est. Ouais, il pas parlé de bibliothèque encore, parce que là, regardez, bibliothèque, ou ouais, livre, ouais. Avec un côté pour mettre livre. Maintenant, je vous dis, comme vous avez des documents sous différentes formes, ou bien ouais. Documents sous forme audio, bah, qui est enregistré, ou bien documents sous forme vidéo, vous comprenez, ou bien documents sous forme écrit que monde capable lire. Donc, documents monde capable lire, documents monde capable écouter, documents monde capable garder. Donc, c'est ça que fait dans je vous dis, vous parlez de médiathèque. Ouais, au lieu de parler de bibliothèque. Donc, on a essayé de monter une médiathèque. Et une médiathèque, ce n'est pas un espace physique, c'est un espace virtuel. Ça veut dire que c'est sur Internet. Donc, c'est une médiathèque numérique. Ouais. Et l'idée, c'est pour gagner. Première, l'idée centrale, l'idée générale, là, c'est pour créole capable de servir comme un gros outil de communication. Communication. Non seulement outil de communication, mais langue transmission, connaissance. Ouais, langue transmission connaissance, langue construction connaissance tout. Côté moun a réfléchi, ouais dans langue lan, côté moun a créé et dans langue lan. Et a quitté document pour génération capable venir après, yo capable joindre document ça pour yo travail et pour continuer bâti sur yo. Donc ce travail et t'a parlé avec Jean refusé matin et puis monsieur relé dans téléphone, monsieur dit mon cher, ou qu'on travail va faire ou travail nous voulait faire ou qu'on qualité travail, il me dit non, pas connait non. Monsieur dit ou songer Didois avec d'Alembert. Ouais, donc ce travail ça, ou songer Didois avec d'Alembert, tu créons une encyclopédie. Mm-hmm. Ouais, premier gros encyclopédie français. Donc non sans ça, c'est nous voulait gain et document dans tout domaine sous toute forme. Dans tout domaine sous toute forme. Et c'est l'idée à ça. Et on a fait des marches, on a contacté différents monde tout partout, parce que avec technologie là, ouais. Et ou pas de limite, ouais. Contacter monde en France, me contacter monde en Haïti, me contacter monde en Floride, ouais. Et on a rassemblé documents, ouais, on a préparé documents tout et pour nous mettre sur site là, on a pris les espaces créoles, son espace, ouais, côté monde capable d'entrer. Mais site là, est-ce qu'il est en construction déjà? Site là en construction, c'est un spécialiste dans le domaine là, Albert Semerville. Ouais, et cap travail sous lui, ni en construction. Ni en construction, je crois que c'est vraiment son très bon projet lui, élève que nous encourager moun yo, parce que plus on met tête ensemble, plus qu'il y a bagage que n'a pas fait, parce que et que gion activité Brooklyn College chaque année sur l'angriol, on connaît que ça prend plus sacrifice. Ça prend plus sacrifice. Bon projet ça, c'est pas jouer. Bon. Pour raison que pour l'autre, c'est pas intéressé, mais qui est très occupé. Oui, ouais. Ouais. Mais que nous pensons que j'ai des projets sérieux, que pour la communauté, ça m'a des supports. Mm-hmm. Ça m'a des supports. On parce que oui, ouais. Pour le monde qui va attendre ça. Ouais. Même par contre, est-ce que si réellement tu as un monde peut-être qui t'a voulu relayer nous, et qui t'a voulu parler avec nous, peut-être qu'il y a même des documents que tu as voulu partager avec nous, qui est capable de faire ça? Oh, il est capable de mettre les moyens dans 917-538-6130 et Ménès des Joies. 917-538-6130. Et pas un problème, n'a pas allé. Et quel que soit le coup de main, tu es capable de nous, il y a des gens qui peut-être c'est.
et c'est enregistré capable d'aider d'enregistrer mon bagage parce que y a un studio là caillou gain monde c'est capable un document gain monde capable son CD son plaque yo gain ouais un ancien plaque gain monde dernièrement moi il dit mon cher mon gon plaque ti wo là cala comme monde te fait un cadeau ouais donc ça son document que capable prendre capable numériser li et puis nous mettre sur site là ouais donc et quel que soit niveau que monde capable gain monde c'est mais que nous bon email à pas de téléphone là on capable et voyez information pour moi dans MD Joie et à commercial alors ici là je dis at ouais MD Joie à commercial et à eol.com eol.com et vous pouvez répéter le téléphone non et 917 538 61 30 même pas est-ce que vous avez un mot pour le peuple haïtien, Captain Do, surtout en Haïti? Parce que vous connaissez quand même ce moment-là. Oui, je connais un moment qui est difficile. Et ce n'est pas aujourd'hui, le peuple haïtien est un moment difficile. Évidemment, dans différents moments dans l'histoire, difficulté à prendre différentes formes. Mais vous avez confiance tout, le peuple haïtien, son peuple qui compte goumen, ouais, et qui est habitué goumen, qui compte goumen, et qui compte dégager pour sortir dans la difficulté. Et m'a dit au courage qu'un BFM continue à goumen. Ouais, la victoire c'est pas peuple qui chita, c'est pas pour peuple qui chita lié, la victoire c'est pour peuple qui lever camper cap goumen cap défendre droit. Et souhaiter au continuer défendre droit pour capable river joindre droit pour capable river joindre l'autre la vie, gagner l'autre la vie parce que trop mon a souffri dans pays ça, trop mon a mouri dans pays ça. Et ça va qui dit la vie que compati pour dire monio que qui a c'est pas bien vivre ça dans la vie. Ah, bien ça. L'avec bon l'autre parti pour dire monio que c'est titre comme balle gourite. L'avec eux, l'avec eux, bon, tout le monde a pris ridiculiser. Oui, oui, oui. On met comme si pas monde. Et on met quand même que son peuple, nous connaît que qui fait un peu l'histoire. Un peu l'histoire. Et la continue à faire l'histoire. Si nous devons faire 1804, nous avons pris l'autre bagage que nous sommes capables de faire. Oui, d'accord. Nous avons pris l'autre bagage que nous sommes capables de faire. Il est que, mais c'est des joies que nous sommes contents que vous nous rencontrer en bateau de la radio de la solidarité. Comme moi dis ou que radio ça ou bien télévision ça c'est télévision pas nous collier merci en pile merci en pile travail que nous faisons le travail que nous faisons que nous pour dire que son bon travail que lié là que haïtiens va regrouper ensemble nous pensons bon bagage que ça y est là que nous va regrouper chaque année nous va faire des activités pour nous mettre haïtiens ensemble vous cherchez haïtiens Haïti haïtiens qui dans Boston qui dans Canada. Et ça que nous voyons, c'est ça que nous même dans la solidarité que nous toujours encourager tout le monde ça yo monde parce que plus nous capable chiter ensemble c'est plus capable déplacer montagne parce que nous avons pile exemple déjà dans l'histoire et nous voyons que nous avons pile bagage que nous gain pour nous faire dans la diaspora pour qu'on connaisse ce monde nous c'est le peuple nous mais tout le peuple yo un peuple qui ont langue que nous voulons défendre qui ont culture c'est culture chez nous mais c'est pas l'autre monde qui vous dit nous mais culture non parce que réellement que tout bagage là que nous gain langue nous gain musique non nous gain façon que nous voit bagaille yo on et son peuple tout qui va en pile monde et que dans la planète là qui tout partout qui veut que n'a donc go merci merci en pile et que nous nous bonne chance tout que dans notre travail ça et m'abdou merci d'avance pour concours pour mettre espace créole là et m'abdou merci tout pour qualité de travail qu'on fait dans communauté. Merci en pile. Qu'un BFM, nous connaissons pas facile. Ça va pas facile. Mais qu'un BFM. C'était Frère Non, Zamino, Frère Bito, Bordetop, de Radio Télé Solidarité. Encore une fois, merci en pile. Merci, merci, merci. M'apprécie ça. Yeah.
Let's go.